d'honneur, ce sera le début du 10e gala de la disque. La grande vedette ce soir, ce sera peut-être Mitsou. À 18 ans, Mitsou, avec un seul succès à son actif, est en nomination 3 fois. Il y a à peine 1 an, cette jeune fille était une simple adolescente. Maintenant, c'est une starlette qu'on compare à Brigitte Bardot, une chanteuse qu'on voit marcher dans les traces de Madonna. Comment fabrique-t-on un sex symbole? Mitsou nous a livré les principaux éléments de sa recette. Le printemps dernier, le Québec assiste à la naissance d'une nouvelle star de la chanson, Mitsou. Mitsou Gélina, cette petite fille née à Loretteville, devient à 17 ans, grâce à son 45 tours Bye Bye Mon Cowboy, la championne des ventes de disques au Québec. Son look sensuel fait passer Mitsou du statut d'adolescente anonyme à celui de vedette aux ambitions internationales. Quand on dit « Oh, une carrière internationale », on pense juste à la France. C'est pas juste ça. International, c'est le monde. C'est d'être connu en Inde, en Corée, n'importe où. Comme Michael Jackson, je veux dire, pourquoi les Américains le font puis nous autres, on le fait pas? Le premier 45 tours de Mitsou obtient un succès monstre. Et depuis, cette petite fille qui a maintenant 18 ans est devenue une vedette. Après quelques apparitions à la télévision, ce que le public retient de Mitsou, c'est son look. Un look comme on n'en a jamais vu au Québec. Mitsou projette une image similaire à celle que projetait Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot, une image de sexe symbole. J'ai toujours été féminine, puis j'ai toujours eu des décolletés comme ça, même si je chantais pas. Puis je me disais, j'aimerais tellement ça être un sexe symbole. Puis de toute façon, il y a beaucoup de filles qui se disent ça dans leur tête, mais qui ne le disent pas haut. Moi, je le dis tout haut, c'est comme un peu un rêve. La popularité de Mitsou fait pâlir d'envie les autres stars québécoises. Mais ce succès n'est pas seulement dû à son talent. Elle est aussi le fruit de la rencontre de 3 jeunes gens ayant la même ambition, percer sur le marché du disque. À l'ombre de Mitsou se trouve Jean-Pierre Isaac, son auteur-compositeur, et Pierre Gendron, son producteur. Sans eux, Mitsou n'aurait jamais connu un tel succès. Pierre Gendron, Jean-Pierre Isaac, Mitsou, c'est une équipe. C'est un triangle, c'est 3 personnes. Ce serait très difficile, je pense, si on n'était pas ensemble, parce qu'on se complète vraiment. On a les mêmes goûts musicaux, les mêmes ambitions, les mêmes idéaux aussi de ce que représente Mitsou. Son célèbre 45 tours, Bye Bye Mon Cowboy, obtient un succès foudroyant, on le sait. Et Mitsou lance donc un premier 33 tours. Cette fois, ce n'est pas le marché du Québec qui est visé, mais celui du monde. Les thèmes de l'album sont conçus en équipe. Même si les paroles sont de Jean-Pierre Isaac, toutefois, Mitsou a toujours son mot à dire. Cha-cha-cha, tu danses, tu t'es des romantiques. Ah, oh, moi, dis que t'écris vite. Tu t'es des romantiques. Toi, mon égocentrique. Mais je crois... Je crois que c'est égocentrique. Nous sommes allés voir comment Jean-Pierre Isaac s'y prenait pour composer un album dont la prétention est d'être écouté dans le monde entier. Après avoir écrit les paroles, il compose la musique. Il travaille seul. Il utilise les plus récentes innovations musicales, soit l'ordinateur et le synthétiseur. Dans cet album, d'ailleurs, il n'y a que le son de la guitare qui soit original. Tous les autres instruments sont remplacés par le synthétiseur. Et cette méthode est considérée comme audacieuse par l'industrie du disque. Composer pour Mitsou, c'est la première fois que je prends une approche du genre. D'habitude, j'ai toujours été un petit peu plus safe dans mes... Est-ce que je peux dire safe? En tout cas, moins audacieux dans mes compositions. Avec Mitsou, je pouvais me permettre d'aller plus loin et puis de passer un petit peu au travers des barrières qui sont établies depuis longtemps. Cha-cha-cha et tu danses, tu te dis romantique, toi mon égocentrique, écoute-moi, non, 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 c'est pas ça, non, 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 c'est pas comme ça, non, non, non,
c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. On prend au non, les premiers. OK. Here we go. La musique que compose Jean-Pierre a une sonorité et un style très accrocheur. Elle est conçue pour la danse et possède le son idéal convenant à la personnalité de Mitsou. C'est avec des moyens de fortune que Mitsou a enregistré son premier album au mois d'août dernier. En effet, ce disque, qui se veut exportable, a été réalisé dans l'appartement de Jean-Pierre. Nous avons été étonnés d'apprendre que ce projet ambitieux a débuté grâce à un mensonge de Mitsou. J'ai fait aussi correct, elle recommence. Quand j'ai composé la toune, Mitsou est venu chanter sur la toune. Mais dans ce temps-là, Mitsou se voulait chanteuse, mais n'en était pas une vraiment. J'avais jamais chanté dans un studio, mais j'y croyais tellement que je savais que je pouvais le faire. Quand t'es convaincue que tu peux faire quelque chose, t'as plus à poser de questions, puis il faut que tu fonces. Mitsou n'a pas peur de foncer et elle n'est pas la seule. Son ami et producteur Pierre Gendron n'a pas hésité un seul instant à investir son temps et ses derniers dollars dans la production du premier vidéoclip de Mitsou. Selon Pierre Gendron, Mitsou, avec son dynamisme et le son particulier de ses chansons, révolutionne à sa manière la scène musicale québécoise. C'est une personne qui est tellement complète, je veux dire, elle danse bien, elle chante bien, elle a un look, etc. Puis je veux dire, ben ici, ça manquait. Je veux dire, quand tu rencontres une personne de même, tu peux pas faire autrement que prendre une chance. Hein. La musique de Mitsou est innovatrice. Et ce qui la différencie des autres artistes québécois, c'est l'importance que prend son look dans sa carrière. Avec son look, Mitsou propose autre chose que l'éternelle petite fille rangée auquel les Québécois sont habitués. Mais son look de petite fille sexe symbole choque parfois la population plus âgée. Est-ce pour cette raison que beaucoup de jeunes s'identifient à ce symbole sexuel qui revendique leur droit au plaisir et à la sensualité? Chose certaine, le look de Mitsou fait partie d'une stratégie de mise en marché efficace. Ça n'a jamais été élaboré ici au Québec, le point de vue look. Tous les artistes, c'est plutôt le style voisin d'à côté. Mais moi, c'est un peu le contraire de ça. C'est de donner du rêve. Sur sa pochette d'album, Mitsou porte le look mondial. Son disque s'intitule El Mundo. Il y a 6 mois, Mitsou était une jeune fille comme toutes les autres. Demain, elle sera peut-être un sexe symbole connu à travers le monde. Et est-ce possible que cette jeune Québécoise soit un jour aussi populaire que Madonna? Qui sait? Peut-être serez-vous celui qui achèterait un disque de Mitsou grâce au rythme de ses musiques ou à la fantaisie de ses paroles. Peut-être serez-vous celui qui ne pourra résister à son sex appeal. Chose certaine, Mitsou a réuni tous les éléments nécessaires pour vous séduire. Nick Carbone est celui qui en disque Mitsou. Selon lui, Mitsou possède les atouts nécessaires pour séduire non seulement les Québécois, mais aussi le monde entier. C'est mondial à cause de les chansons, à cause de l'image et aussi surtout à cause de la profondeur de talent. Et Mitsou n'a pas eu peur de foncer. Avec autant de détermination, cette jeune fille de 18 ans deviendra peut-être une véritable star mondiale. Selon elle, il est faux de croire que Mitsou n'est qu'un sexe symbole dont les chansons ne veulent rien dire. Bon, ben Mitsou, c'est pas juste une fille qui a deux beaux futurs. C'est une fille qui vous dit « Déniaisez-vous tout le monde, on va y arriver. »